Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu spéciale puisqu'on va enfin goûter ça. On a enfin pu se les procurer, les Jelly Belly Bean Boozled. Voilà. Nous sommes excités. Vous avez compris, tais-toi. Vous avez compris, on va faire les Jelly Belly Boozled. Je peux leur montrer la roulette? Allume-toi. Ok, bon, là, je peux montrer un truc, c'est bien. Alors là, c'est une roulette, on tourne et là. On tombe sur le bonbon. Et là, bah, je suis tombée sur le bonbon vomi, hein, comme par hasard. Alors, vous voyez. Je suis malchanceux. Il y a des bonbons. Bon, on en a déjà mangé, mais. On a déjà essayé tout à l'heure. On va pas vous mentir. On a hâte d'essayer devant vous pour vous faire rire. Voilà. On n'a pas pris d'eau, on n'a pas pris de bol. Si, il y a un bol, je dirais. Mais voilà. Allez, je lance la roulette. Voilà. Donc voilà, alors je vais tourner la petite roue. D'accord. Attention. Oh putain. Merde. Alors, je crois que c'est les blancs. C'est... Ce sont les... Non, celle-là, il y a des cachets. Non. C'est elle. Ah, j'en ai pas un. C'est eux et eux. C'est quoi et quoi? C'est... Alors... Tu lis, s'il te plaît. Les blancs, c'est soit lingette pour bébé, ou soit noix de coco. Lingette pour bébé et... ou noix de coco. Voilà. Wow. Jean. 1, 2, 3. Ça lingette pour bébé. C'est horrible. T'as un coco? Ouais. Oh, putain. Elle a notre coco. À moins que j'ai lingette pour bébé. C'est quoi? Ah! En fait, t'as vraiment l'impression de manger. Je vais me manger. Lingette pour bébé, c'est dégueulasse. Ah! En fait, c'est bizarre. Ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment bizarre. Alors, à toi de le tourner là. Est-ce que je vais tomber sur un bonbon vomi? Putain. Le vomi, donc... Je te déteste. Où je prends lui. Le vomi, en fait, il est... Enfin, je sais pas si vous allez voir. Il est orange avec des taches rouges. Et moi, j'en ai plus. Donc j'ai peur. Je te m'inspire pas. C'est pêche ou vomi? Ah, ça m'inspire pas, mais je suis jamais tombée sur pêche. J'ai pêche. Putain, je suis tombée sur vomi. On le sent tout de suite, pêche. Ah. Ça colle aux dents. Il est pas bon. Les vomis. Ah, c'est dégueulasse. Il en reste un. Il en reste juste un. Bon, on va pas. Ouais, c'est bon. Mais à la fin. Hein. On va le faire goûter à... Non, on le garde, tu vois. On le garde. À toi. J'étais sûre que j'allais tomber sur le mauvais. Alors. Le vert. Alors, le vert. Le vert. Le vert, vert. Point. Donc lui. C'est lui. Celui que j'ai chopé. Donc c'est un vert, hein. Un vert couvert. C'est herbe ou... Herbe ou gazon tondu. Herbe ou quoi, alors? Gazon tondu. Herbe... Herbe ou citron. Ok, donc j'aime pas trop le citron, j'aime pas trop l'herbe. On sera, on en fera un deuxième parce qu'il y en a pas mal. Okay. Herbe, on s'en fout plus tard. J'ai herbe. J'ai herbe. Ouais, il est trop dit. Tu manges de l'herbe sucrée. Ah bon, on va essayer de le manger. Alors, c'est bien manger. Non, jusqu'au bout. Allez. Ça colle, non? Un putain de défi qu'on se donne, là. Je sais pas pourquoi je vais tomber sur lui. Ah, je sais pas. Allez, moi, je crois qu'il y en a avec le bonnet. Non. Défi. Non, vers la fin, ça. Ah. T'as l'herbe, quoi. C'est dégueulasse. À moi de tourner, là. Je sais pas comment faire. C'est... Ah. Alors, le marron.
Donc chocolat ou pudding au chocolat ou croquettes pour chien. Donc moi je le sens pour croquettes pour chien. On a goûté, on est toujours tombé sur. On est toujours tombé sur croquettes pour chien. Est-ce qu'on va tomber sur chocolat en vidéo? Tiens. Ah, tiens. Voilà, il y a la pluie. La cloche. Ah. Rendez-vous avec Alexis Sancier, psychiatre, dans le même hôpital qu'elle. Je sais pas. Ah. 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 Bon, chocolat. Excusez-nous, hein. Excuse-nous. Allez, excusez-nous de l'incident du téléphone. Voilà. Attends. Voilà. Ah, voilà. Il est dégueulasse. Ou il est bon. Tu sais pas si t'as croqué pour chien le chocolat. En fait, au tout début, c'est bon. Et après c'est dégueulasse. J'attends que tu le finisses, hein. C'est bon, j'ai fini. Tu l'as fini? Ça filme là. Allez. Les bleus. Dentifrice ou baie d'azur, donc un fruit. Fruit ou dentifrice. Je suis toujours tombé sur dentifrice aussi. Et le dentifrice c'est pas très bon. Non mais on sent tout de suite par contre. On veut le kim. Oh non. Ah j'ai fruit. Ah il est trop bon. Oh non, le dentifrice. Ah il est putain de bon. Enfin, vous savez c'est le dentifrice là dans. Amandine. Mais tu sais à la. Oh putain, tu sens trop bon la bouche. Tu sais, c'est les dentifrices, c'est quand t'es petit, c'est les dentifrices en petit tube là. C'est bon. Mais à la menthe, mais c'est dégueulasse. C'est tu manges. En trop bon les fruits. Au début, on sent bien le goût de fruits. Ah, oui, alors, on va tourner. Ah, les multicolores, rose multicolore. Tu sais, c'est le multicolore ceux-là. Les multicolores, ils sont plutôt là, non? Ah non, c'est pêche ou vomi. Ah. Alors, il nous en reste un, deux et trois. Il nous en reste encore trois. Ah, celui-là, il n'y a pas trop de tâches. Non, il n'en a pas. Un, deux, attends. Ah, tiens. Moi, je ne perds pas. Il ne se perd pas. Ah, moi, je ne le mange pas, je peux pas. Je peux pas sinon. Je peux pas sinon, c'est à toi. Je peux pas sinon je vais vomir. Je peux pas le manger, désolé mais. Le bleu. Putain on l'a déjà fait. J'espère qu'on va. Enfin j'espère que je vais tomber au moins sur baie d'azur. Alors moi je suis tombé sur baie d'azur, c'est trop bon. Putain j'ai mon dentifrice. Ah. Putain j'ai dentifrice. Il y a des gens qui respectent le défi. Mais non sérieusement, c'est pas possible. Le blanc. Le blanc blanc. Il est où le blanc? Moi j'ai. C'est un blanc avec des taches jaunes. Est-ce qu'on en a encore? Ouais, là j'en ai un bon gros. Non, ça c'est avec des taches jaunes. Non, on en a plus. Bon, on va dire, on va prendre. On va retourner. Attends, on va retourner. Hein, ouais. Okay. Ça, là, une autre couleur. C'est les multicolores. Il en reste trois. Trois, il en reste. Donc, c'est quoi et quoi? C'est tutti frutti aux chaussettes pourries. C'est quoi, enfin, chaussettes puantes. C'est quoi déjà tutti frutti? Aux fruits, comme aux fruits, tous les fruits. Ok, tu les fruits ou chaussettes puantes. Oh, les tutti frutti. Ça fait du bien, après, les dentifrices. Ah, j'ai chaussettes puantes. Merde. Putain, j'ai mal vu. Ça, comme du chewing-gum. Le chewing-gum. Gun, il va s'en occuper. Ah, c'est dégueulasse. Mais parce que notre chien s'occupe des bonbons. Dégueulasse! Oh putain, c'est le jaune bizarre. Ah! Avec les points. Ça, c'est popcorn odeur. Oh, j'adore! Putain, tout à l'heure, j'ai les popcorn odeur. Œuf pourri. Attends, elle va finir le bonbon. Ah! Elle croque le pain. Ah, elle est croquée. Ah, là. C'est œuf pourri. Je sais pas. Il a pas envie de savoir. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas goûté, juste fait. Je crois que j'ai croqué. Je suis mis au merde. Bah, attends, c'est pas le nom. Putain, je le sens pas. J'ai tellement envie de changer, mais je peux pas, je l'ai pris. Alors, popcorn au beurre ou œuf pourri. Oh, t'as œuf pourri aussi. Ah, elle t'a. Ah. Ah. On dit. Ah, c'est
dégueulasse. En fait, on dirait... Ça fouette. Oh, ça fouette. Oh, putain, la laine, c'est le pire que tout. C'est quoi ça, là, le verre? Ah, le verre. Putain, c'est ce verre-là. Oh, putain, la laine. C'est ce verre-là avec les points bizarres, là, les points. Oh. Avec les points noirs, oh, là. Oh, putain, la laine, non, non. Non, c'est le verre avec les points noirs. Avec les points? On n'a pas fait, mais... Alors... Crotte de nez ou poire? Oh putain. Je suis tombée sur crotte de nez. Moi je suis tombée sur crotte de nez. Et après je suis tombée que sur poire. Regarde si ça filme encore. Ça filme encore. Ok, bon allez. Crotte Chine. De nez ou poire? Ah, crotte de nez. C'est dégueulasse. Oh. Attends, on a combien de bonbons là? Franchi? Je crois qu'on a plein. Ah! Alors, à moi de tourner! Il y a 15 bonbons crachés. Putain, il y a chaque verre. Vert, tout vert. Tout vert, tout, tout vert. C'est herbe ou citron. Ou citron? Chine. Je tombe sur citron. Excusez-nous. Herbe ou citron? Ouais, sauf que moi j'ai déjà croqué direct quand il y avait le téléphone. Je sais ce que c'est, mais vous verrez ce que c'est. Voilà. Tu fais le problème, c'est que tu sais pas sentir. Putain, herbe. Comme si je ne savais pas. Herbe. Tu sens bien la plante là. En fait, on vous savez quand on tombe, bah il y a une odeur, et bah c'est ça. Putain, j'ai vomi ou peut-être il nous en reste un. Il nous en reste un. C'est qui veut le prendre? Putain, tu sais pas sentir quoi. C'est quoi? Les doigts de notre enfant, quand tu sais quoi, c'est toi. Allez, je suis là. Dépêche. Bébé. Allez, verre avec des... T'as fini le bonbon quand même. Ah ouais, donc Merde. Fais le bonbon quand même. Ouais. Prenez le bonbon. Le bonbon, ni le bubble gum. Non, ça va, vous pêchez. Bon. Putain, pourquoi c'est pas moi? Non. Je vais donner notre adresse. Il y a plus de vomi du coup. Non, il y a plus de vomi. Mais le vomi n'est pas à conseiller. Après, nous on a pris enfin, vous-même. Quand même, celui le plus dégueulasse c'était œuf pourri, hein. Le pire. Ouais, c'est bon, t'as fini? En fait, c'est un goût pourri. D'accord. Bon, ça va, on est. Allez, moi je prends. Lui. Moi je prends lui avec le plus de points possible. Non, moi ça va, il est pas. Il a pas trop. Enfin, moi il m'a l'air chelou en fait. Attends. Mais tu sais pas sentir. Je vais me le foutre dans le nez. Ok. C'est quoi? Poire ou crotte de nez. Ah. Pourquoi crotte de nez quoi? Crotte de nez. Non, mais désolé, mais... Oh. Ça colle dedans. Putain, j'ai crotte de nez. Putain, mais c'est chiant. Ah, un multicolore. Il nous en reste un. Putain, c'est bon. C'est quoi ou quoi? Tutti frutti ou chaussette puante. La crotte de nez. Oh, c'est toi. Tu frottis. C'est trop bon. Donc, il nous en reste pas beaucoup. Non, mais vraiment pas beaucoup. Allez. Allez. Merde. Bonjour. Allez. J'ai tout foiré. Allez. On en a plus. On en a plus, donc... Putain, il nous en reste pas beaucoup. Il y a le blanc, là. Il y en a plus, donc on va retourner. Ah, le bleu. Bah, il n'en reste plus qu'un. Le bleu. Tu me laisses le prendre. Si c'est dentifrice, je pète un câble. Eh, vas-y, prends-le. C'est quoi, quoi? Baie d'azur ou dentifrice? Allez. T'es tombé sur baie d'azur. C'est trop bon. Au début, tu le sens direct. Je prendrai les bons de bébé là. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie. Je vais pour la deuxième fois, notre c'est bon. Allez, les verres avec les points chelous. Oh non. Prends lui, c'est crotte de nez ou... Crotte de nez ou poire. Coucou. Bonjour. Je sais pas si vous le voyez, mais...
est très bon. Alors, c'est quoi? C'est. C'est pas très bon. À la fin. Ouais, mais c'est quoi? Crotte de nez ou quoi? Ok. Il prend temps. Mais attends, je finis. Il a fini mon bébé. Moi, je vais finir ma crotte de nez, je vous ai fini. Attends, je vais la cette fois, mieux, cette fois, on va faire ouais, aucune tête chelou. Aucune. Et c'est vous qui allez deviner. Bonjour. Putain, mais moi, à chaque fois, j'ai rigolé. C'est vous qui allez deviner celui qui a le bon, celui qui a le mauvais. Et après, on va vous dire. Et vous les mettez dans les commentaires. Après, vous les mettez. Dans les commentaires. Allez, c'est quoi bon, crotte de nez ou poire? Celui qui a le bon et celui qui a le mauvais. Ok, crotte de nez ou poire. On fait aucune tête. Hein. Un, deux, trois. Elle est toujours suivie par Alexis, mais elle est totalement rétablie. Elle s'apprête dans quelques semaines à faire un tour du monde avec sa meilleure amie Mélodie. Avec sa merci, on la prend de nouveau. Alors, en fait. Attention, attention, vous les mettez dans les commentaires parce voilà. Qu'on a dit. Que vous pensez. On a coupé pour vous laisser le temps de répondre. Je m'appelle. Voilà, vous dites les noms, donc maintenant. Nous, on se les dit. Voilà, on se les dit. Voilà. Non. Attends, tournez, vas-y. Ah, les marrons. Donc. Il en reste deux, donc croquettes pour chien au chocolat. C'est t'es tombé sur le chocolat. Ouais, je crois que je suis tombé sur le chocolat. Ah, ah, ouais. Allez, on fait une job. Mais comment ils font? Nous pouvons épargner Nina. La croquette pour chien. Ouais. On va les finir. On n'argente pas chez Tini. Essaye, tu vois. Plus de 1€ tant que tu n'auras pas le combat. Comme tu dis, j'ai plus de jeu. Comme ça, on va tourner, c'est tout. Et on en a plus. En fait, il nous reste que des jaunes comme. Enfin, des. Allez, vas-y, j'ai un compact pour les jaunes. Dans des petits cahouettes ou. Enfin, je veux dire. Oh non, pas œuf pourri, je te supplie. Bon, œuf pourri ou. Non, non. Moi, je vais faire un verre, toi, tu fais comme ça. Ok. Donc. Parce que franchement, là, tout ce que j'ai eu, c'est un. Ok, donc, à part moi, œuf pourri. Œuf pourri ou poisson au beurre. Allez. Ça peut moi, c'est le trou. Et les conséquences peuvent être irréversibles. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine, plus précisément dans la ville de Marcoquette, tout près des Versailles. Non, en fait, ça sent le brocoli, quoi. Et l'unique héritage. Moi, j'ai l'air. Super. Allez, vas-y, avant de prendre le frontal. Je prends lui, c'est quoi? Moi, je continue. En fait, je continue les verres. Parce que je vais tomber sur ces ronds. Attends, je vais essayer un verre. Non. Quelle faire en séquence? Tu vas encore tenter de faire le fruit? Il est une bonne forme de citron. On échange? Non. Hé, Amandine, c'est un citron, il devrait être cuisiné à moi. Oh putain, j'ai un citron. J'ai herbe. Ah, j'ai citron, c'est trop bon. On sent bien le citron. Oh, ta mère, t'es un. J'ai trop herbe. J'ai herbe. Bon, allez, alors, et en fait, il nous reste plus que des blancs avec des taches jaunes et des et deux verts avec des taches bizarres. Voilà. Une tache trop bon, on va prendre ça. Œuf pourri ou popcorn au beurre? Je pense qu'on va bientôt s'arrêter parce que je. Allez, œuf pourri. Popcorn au beurre. Attends, je finis bien. Popcorn au beurre. Même popcorn au beurre, il est pas très bon. Pourri. Non, il est pas bon. Attendez. En fait, on sent plus le beurre. Allez, frontal. Frontal. C'est ce que font tous les parents qui le. Alors, je prends les deux, le mec a rien compris. Pourri. Pourri, c'est dégueulasse. Allez, je continue. T'en as deux, toi aussi. Ok, frontal. Haha, on prend pas les deux en même temps. On en prend deux. On croque un et après on. En fait, là, c'est soit crotte de nez, soit poire, soit popcorn au beurre ou œuf pourri. Attention, on en prend un chacun. Enfin, on en prend, oui. Donc, moi, je vais tester celui-là. Donc, pourri ou. Non, moi, c'est poire ou. Toute ma jeunesse, il m'avait habitué à remplacer sa tendresse de père par des bifetons. Il a d'un seul coup, il arrêtait. Ah non, c'est sûr qu'il est payé. Et un max. Allez. J'étais trop vénère. Depuis des années, le rituel du départ de monsieur doit être toujours le même. Allez, tu crois? Comme tous les jours, il demande à son mari de bien travailler. J'ai popcorn au beurre, il est pas très bon. Il précise qu'il veille. Alors moi, popcorn au beurre, j'adore. Oui, frontal. Popcorn au beurre, il aime pas.
Très chère madame. Pardon. J'ai eu votre fille Nina au téléphone. Docteur Nover. Oui. On a plus rien. J'étais déjà une petite femme. Voilà, nous avons fini. Il n'y a plus rien. C'est pas bon. C'est franchement, bon. C'est bien pour délirer avec vos potes. Les goûts qu'on a goûté. Ici, il y avait les goûts. Hein, il y avait tous les goûts. Il y avait aussi les goûts à l'arrière. Hein. Il y avait la petite roulette. Je vais garder la boîte. Et je vais en acheter une autre pour faire le défi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec une des personnes dans ma classe. Je pense qu'elle va se reconnaître parce qu'on en avait parlé. C'est elle qui m'avait dit qu'il y avait des Jelly Belly dans le magasin de bonbons à Chambéry. Je ne vais pas citer le nom. Du coup, je les ai achetés, comme tu peux le voir. Et après les vacances de Noël, je me ramène en cours avec une boîte comme ça. Je peux te le promettre. Et je me ramènerai aussi avec les bonbons. Donc, je te fais des gros bisous. Allez, on fera une vidéo avec les bonbons. Je vous fais des gros bisous à vous tous. Et bisous. On fera une vidéo avec les bonbons. Ouais. Bisous. Là, c'est mauvais. Hein.